La deuxième rythmique avec des accords plus complets. Il y a quatre mouvements par temps, comme dans la première. Dans la première, pour aérer, je n'ai pas noté tous les mouvements dans le vide. Là, vous touchez les cordes vers le bas sur la croche, vous remontez dans le vide, c'est entre parenthèses. Vous touchez pour la deuxième croche, vous remontez dans le vide. Je le fais au ralenti. Ici, il y a deux mouvements dans le vide d'affilée. Ça paraît long, mais il faut bien les faire. Il ne faut pas que la main attende. Après, vous pouvez faire des variantes. Hein, la main peut jouer tout le temps si vous voulez, à condition de changer d'accord au bon moment. Vous pouvez y travailler la rythmique en étouffant toutes les cordes, etc. On ne peut pas se concentrer sur les deux en même temps quand on débute. Hein. Donc, on va voir tranquillement les mouvements qui sont notés là, sur le tableau. On joue, on ne joue pas, on joue, on ne joue pas, etc. En respectant bien tout ça, en essayant d'être régulier, mais on peut travailler pas à pas. Si on est perdu, hop, on bouge plus, on n'a pas fait de faute, à part qu'on n'est pas en rythme. On remonte dans le vide, on remonte dans le vide, on prend le temps. Et petit à petit, on va le faire régulièrement, petit à petit, on va accélérer. Ça sert à rien de mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit.